Bonjour à tous et à tous, ici Super Canal, ça fait ça, et on se retrouve pour le 12e épisode de Inazuma Eleven IRL, la saison 1, avec Marc Emmanuel, gardien fou. Oh, dans l'épisode précédent, nous avons rejoint Ambushid, nous avons fait les deux premiers matchs amicaux, et la période de transfert va se terminer pour. Et donc, on va entrer dans la compétition. Bon, là, j'ai pas le choix. J'aurais peut-être dû vous le passer, ça. Au passage, la manette vibre avec le décompte. C'est vraiment bizarre. Alors, comme il n'y a pas l'équipe du Japon dans le jeu, on va du coup se rabattre sur la vie de gagner au moins le. On va se rabattre sur. Une coupe, hein, et être le meilleur gardien d'une compétition. On va se rabattre sur ça, malheureusement. Mais rassurez-vous, pour la saison 2, je ferai en sorte qu'il y ait la Coupe du Monde avec un joueur. Bundesliga 2, je t'ai retenu dans l'équipe. Eh ben, c'est bien. Avec nos amis les Allemands, on aura joué dans un club italien, on aura joué dans un club anglais, et là on va jouer dans un club allemand. Pour les paramètres, je vais un petit peu changer, je vais me mettre en international, on va voir ce que ça donne, et je vais contrer toute l'équipe. Je prends un risque, je sais, parce que c'est le nouveau dessus, bon là c'est le jeu de merde qui ne sert à rien. Voilà, je défonce tout. Je défonce le truc, bon là je suis allé à trop tôt. Allez. On s'en fout. Bonjour à tous, bienvenue à Live Lane pour suivre ce match. Franck Sauzet est avec moi comme toujours. Marie. Espèce de salon. Je vous ai jamais montré ça. Tchèque. Bonjour Monsieur Larbe, bonjour. Bien sûr, ils se le disent en allemand. Ils disent Guten Tag, après tu n'es pas allemand, tu es je ne sais pas quoi. Je sais plus, je sais pas le maillot de mon équipe, en fait. Je ne sais pas quoi. Bah bon, ça doit être nous là, le orange. Et il y a une heure, je suis ici, les allemands. Bon là il vient d'insulter sa maman, j'attends. On est le numéro 12. On est en bleu. Donc comme il pleut, l'IA va être un petit peu plus petit. C'est toujours comme ça en fait, quand j'ai joué et qu'il pleut, l'IA est bizarrement plus proche. Il fallait y aller sur ce ballon. Attention. Une bonne anticipation sur cette passe. Bon, rappelons que pour devenir le meilleur gardien de l'Ligue, il faut se prendre le moins de buts possible. Donc, je pense que pour cette fin de saison, je vais jouer qu'avec mon kit. Et voilà, déjà un but. La classico à la supérieure, quand même, comme on dit. C'est la classique. Belle tête, Franck. Oh, c'est superbe. Il nous a mis un très beau but, celui-là, dis donc. Très belle détente. Et il faut un bon timing pour frapper le ballon de la tête un de la sorte. Putain de timing. Ouais, c'est donc l'ouverture du score à 0. J'étais en train d'esquiver l'arbitre, je me suis dit, attends deux secondes, c'est l'arbitre ou c'est un joueur adverse. Il va centrer. Non, pas oh, centré. Attention ce ballon. Ça flotte un peu, le défenseur qui dégage comme il peut. Dégage comme il peut. Parce que s'il dégage pas, le ballon, il reste là. Eh ouais, commentateur de ouf. Jajalot. Cachalot, pardon. Ça rime avec cachalot. Attentat sur la pelouse. Casse-toi. Oui. Pour la récupération du ballon. Alors le B comme ça, c'est un double S en allemand.
Penalty, 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 penalty. Oh là là, dégage, dégage, dégage. Yeah. Penalty, penalty, tu chattes. Ça c'est ce qu'on aime. Oui. Ma jambe. Et l'entraîneur qui va procéder à un changement. Golobert, ils font déjà un changement, bah oui. Oh! J'ai raté mon penalty. Je suis une crotte. Je suis un caca ambulant. Oh, j'ai raté mon penalty. Il y a la triche. Ah, parce qu'il sort en touche finalement. Il joue plus qu'à 10. Vous êtes des caca. Vraiment, on a réussi à exclure un joueur. J'ai jamais réussi à faire ça. Hein. Vraiment, on fait exclure un membre de l'équipe adverse. Il faut que ça arrive en vidéo, bah tant mieux. Dolph, bien sûr, tous les Allemands s'appellent Adolf, hein. Ou Peter. Bon, on va éviter de se prendre un carton rouge, hein. On va pas faire un gros attentat sur la pousse. Non, non, ça c'est légal, j'ai le droit de faire ça. Et le nom il pousse. Hein. Attention à ce centre. Diarrhée, la diarrhée. Le centre diarrhée, comme on dit. Alors, bien sûr, tu peux blesser un de tes joueurs à faire ça. Hein. Attaquer comme un gros yolo, il y en a qui se le prend, mais qui fait pas gaffe. Boum. Ouais, bien sûr, il n'y a pas pote. Ton joueur est blessé, il peut niquer quoi. Tu te dis, putain, c'est moi qui vais niquer mon joueur quoi. C'est vraiment caca. Non, c'est Uchi. Non, mais tu clashes les noms. Milano Mer, voilà. Ton nom, il est imprononçable. Oh le mec, ce caca ambulant. Ah, moi, je rate mes pénalty, mais eux, ils sortent carrément le ballon. Quoi. Donc, toi, t'as la flemme de courir, si on avait compris. Pour lire, c'est pour les faibles. Faute à l'arbitre qui l'a joué. Ah ouais, c'est moi, c'est pas moi qui ai fait faute. Tiens. Et aller voir protéger moi qui croyais que c'était moi qui avait fait faute. C'est parce que tu t'es mis en international et qu'il y avait ta pénalty. Igor. Igor, il est tombé. Décisive là du défenseur. En surface, attention. Et le mec était bien mis, il s'est dit, il a fait un pas en arrière, bah voilà, niqué. Juste parce que le mec a fait un pas en arrière. Interception, c'est impeccable. Impeccable. Ah, il est le premier sur cette passe. Il est le premier sur la passe. Ya ya ya. Tac le aigu. Défendu. Attention, c'est pas terminé. Ouais, je voulais tacler, mais le ballon a bugué. Oui, alors oui, encore un énième bug dans ce jeu. Je connais. Pour du jouer. Hein. Et on ne fait pas de faute. Bon, on est calme, on est posé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette passe de Cancero? La passe Sida quoi. Ah, corner. Ouais, corner. Et il y aura danger. Ah, le ballon me touchait. Alors la physique des mecs. Oh, merde. Oh, l'illusion de l'optique de ouf quoi. J'ai cru que j'avais le ballon, mais non, en fait, c'était l'illusion de l'optique quoi. On a mort. Ah, ma jambe, putain. Et là, je lui tire dessus. Bim. Headshot. Bon, j'aimerais savoir pourquoi il est baissé. Commentateur. C'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner le vestiaire 1-2-0. J'ai eu peur à un moment, je me dis, attends, on va se prendre. Ils ont fait une bonne mise. On dira surtout l'expulsion hein, dans cette première période. Réduit à 10, ils vont sûrement subir un petit peu le jeu de leurs adversaires. Surtout oh en fin là, de match. Vu, le coaching arrêt. Là de l'entraîneur sera, à mon c'est avis, le, déterminant. C'est le plus gros moment de tous les temps, là. Oui. Ouh là là. Ouh là là. Est-ce qu'on va revoir le cancer? Voilà, le cancer humain. Hop là, le mec qui se procure un penalty.
Attention, je le dis tout le temps, hein, ils savent pas tirer des pénaltys, vous savez. On sait qui s'est blessé? Klose, oh putain, Klose, il est blessé, aïe aïe aïe. Il s'est pété, maintenant. Bah non, il n'y avait pas le logo du science de la croix, comme si il était blessé. Allez, durer, c'est pas important. La réponse est oui. Bah, la puce est bien, hein, wesh. Tu peux pas jouer, tu peux pas les jouer, foutre un peu. Quand t'es un poussin. Et voilà, c'est la. Au moins, je mets pas des buts en mode. Voilà, coup droit. Au moins, là, je fais des centres. Bon, après, mettre d'autres buts. T'as trois possibilités de mettre un but. Soit en corner, soit en souffrant. Je sais que tu pourras, mais avec moi, soit tu sens, soit tu vas en ligne droite, soit en corner. Ou alors, on le banc. Alors là, on le banc, c'est assez rare. Je suis plus guerrier. C'est déjà arrivé. C'est très beau en plus, un but sur le banc. Mais avec une équipe comme ça va être dur. Voilà, passe en profondeur pour Klose. La porte est close. Ah ah. Les close. Ouais, bonne possibilité là en attaque. Et si on laissait le gardien un petit peu. Le gardien, je veux dire, Marc Evans. On va se battre à la tombée. Il a trouvé son pas. Oh là 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 là. C'est beau. 3-0. En international, hein, pour rappel. Et il a d'abord de mettre en légende, je perdrais quand même frapper ce ballon de la tête. Je me mettrais en manière nationale, je vais tourner un caca. L'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. C'est très 3-0, toujours pas de réaction en face. Bah ouais, pas de réaction en face. Hein. Reschko. En même temps, ils sont à 10. Ils font des passes de merde. Bon. Très bonne lecture. Donc, du c'est jeu, pas moi qui l'ai fait, les passes de merde. Oh là là. Vous imaginez ces équipes qui vont en Ligue 1 de Bundesliga, quoi. Tellement qu'à mérite. Oh, attention, ils ont récupéré le ballon et il va y avoir danger. La frappe. Oh, j'ai failli y arriver. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Ah ouais, ok, il est pas sur son bon pied. Bah, il a lobé du mauvais pied. Et le ballon. Qui vous propose une statistique sur les tirs. Ouais, ils ont tiré 0 fois quoi. Je suis bon quoi. Bon, on va les laisser un petit peu sur le frappe, puis nous on peut tirer. Et on pourrait leur mettre. Ça va frapper au but. Laisse-le. Toi, tu restes au cas où, je sais pas, le mec. Putain, mais t'es un caca quoi. Ils ont aucune occasion et toi, tu rates ta frappe. Tu rates ton. Ok, ça c'est un tacteur. Ouais. Une frappe en lucarne, mais je peux vous dire que pour un gardien, c'est encore plus difficile à aller chercher. Grosse merde, va. Grosse merde. Mais oui, il a mis là où il voulait la mettre, juste au ras du poteau. Bah ouais, ouais, les mecs, ils tirent une fois de but. Allez, ouais. Parce qu'ils s'enchaînent. C'est pas du tout ce qui m'est arrivé. Ouais, ok, c'est quoi ça? Ah, dommage, il y a personne. Coupé, là. Personne, ouais, bah le mec, il a plus que. Il a mis action, là, parce que. Son boulot. Réservé ce résultat favorable de ce changement tactique. Cours, ballon. Raciste. Non. C'est pas raciste. C'est le boulot. Non. Bon, tu mets quand bon, allez, va mettre un but comme ça, moi, je serai heureux. Non. Espérer. C'est vénère, c'est automatique. Oh, quel joli tir! Oh là là! On a pu faire ça la première fois. Il concède un corner. Attention à cette occasion. Il concède un corner. Bon, là, je ne joue plus, je regarde. Allez, je suis bon. Il va prendre la tête. Et c'était 3 sur le gardien. Plus ça en placement, vous allez aller faire quoi? Un joli tacle! Vivement la prochaine saison de Inazuma Eleven IRL, il y aura plus d'action avec le joueur que je vais prendre. Ouais, je sais déjà qui je vais prendre. Allez, bon, pas son action. Oh, oui, le bon, on sera pas chic. Ouais, le ballon qui tape la transversale. Ça, c'est vraiment un truc qui m'arrive trop souvent. Quoi. Que je touche la barre transversale. Ça compte pas quand même. Ok, t'as mon goal. Pourquoi tu es net, je dis ce que je pense. Quoi. C'est un mon goal. Mec, qui mec, putain, toi t'es un champion, toi. La frappe.
Il a glissé. Les bruitages, on est un peu bien sûr rajouté. Hein. Ça nous a fait. Il discute le contrôle du ballon. Oui. Oui. Tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Moi, je suis un comme ça. Hop là, moi, j'y vais comme ça. YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Bonjour, je m'appelle Lindé. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui devra bientôt effectuer un changement. La faute, putain. J'ai pas appris Bastien Parker. Oh la putain de gros ouverture de merde. Oh, s'il n'y a personne, l'entraîneur va lui reprocher. Non. Oh, c'est bien parti. Le mec gagne des points en vitesse. En maillot de corps. Ouais, gros, c'est comme ça qu'on gagne des maillots de corps. Oh, alors là, il est magnifique. En pleine lucarne. Sur cette action et il ne faut pas le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Oh, très belle action, on sent son expérience et sa classe. Le numéro 16 sort, et le numéro... non, c'est le numéro 6 qui sort, le numéro 16 qui rentre, c'est ça. Oh putain, le public, comment il est moche. C'est sûr que ce n'est pas à son équipe de faire le jeu. Alors il fait le 6 qui sort, c'est le 16 qui rentre. Et vous le 4-1. Voyez, le tableau d'affichage, alors, ça fait 4-1. Bon, maintenant, on ne joue plus le Trapucas, on s'en fout de... On s'en fout qu'il soit mauvais ou bon. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Ouais. Oh, je mets même pas faute. Putain, vas-y quoi. Il a du soutien. Faut pas payer l'arbitre quoi. Un arbitre coûte environ entre 5 euros et 10 euros. Bon qui va marquer aller. Peut-être. Il est marqué à nouveau, il aurait bien aimé. Eh ouais, mais ça ne marche pas à tous les coups. Un corner. Et c'est donc un corner. Ouais, va-t-il c'est marquer la tête? Voilà, c'est un corner. Et je là, pourquoi tu te fous de ta gueule? Une fois un joueur aussi de passer les toutes dernières minutes à l'esprit tranquille. Sur le boulot, il est bien frappé. Donc je me moque de lui. Pour apprécier ce but. Et le score, vous le voyez. En plus, il est bon, regarde. Mais t'as mis un but, hein. Si ça se trouve, dans ta carrière, tu ne mettras aucun but. Tu seras rien qu'un caca sur le banc. Donc voilà, au moins dans ta vie, tu auras mis un but. En jeu vidéo, surtout pas. À 14 et ouais, c'est parce que je ne joue pas à 16 hein. Et au 15, hein. Pas déconné, hein. 52 pour le même jeu, excusez-moi, c'est un peu difficile de jouer. Bah oui, hein, FIFA, ouais, FIFA 15, ça coûte. Ça coûte 50 euros, hein. Juste pour un jeu que graphiquement c'est pas même, hein. Juste pour la mise à jour des effectifs. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire ouais. Pleine lucarne, voilà, 601, c'est le patron. Mais ouais, je suis comme ça, moi, je joue comme ça, quoi. Voilà, 601 contre l'équipe internationale. C'est un miracle. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont voulu bien finir le match, alors que la victoire. Ouais, bah là, ils ont plus que bien fini le match. Hein. Non, au moins, vous avez vu les buts, hein, vous avez vu l'action. Moi, ils jouent à 10, on va dire que c'est pas ce qu'ils ont dit. Ouais, on a gagné. Cette rencontre, une rencontre riche en buts. Attends, on a mis des buts avec 5 bonhommes quoi. Oh, check mon frère. Check. Regardez-moi ses yeux. Oh ouais, grosse maîtrise en effet, on a senti l'adversaire complètement déconnecté. Il est vraiment une classe d'écart aujourd'hui. Une classe d'écart, maintenant ils ont joué à 10. 8,2. Ah, pas mal hein. Bon, il s'est pris un but parce que c'est un caca, mais sinon, voilà. Il s'est pris un but parce que c'est voilà, c'est, il est mauvais, c'est tout. Bah il est mauvais, il s'est pris un but ridicule, voilà. C'est parce que c'est moi qui l'ai laissé faire. 71 tin. Joueur appelé en sélection. Genre vous avez des joueurs en sélection. Ah ouais, Bulgarie, évidemment. Bah évidemment. Ah bah oui, si tu me parles comme ça. Espoir. Ouais. Encore un en gardien, je gagne un des gants. Ouais, trois fous.
Ah bah encore deux matchs sans se prendre deux buts et ça ira. On a des nouveaux gants, lol. MDR. Putain. Genre 50 arrêts, ouais, ça plaisante pas quoi. Et on gagnera plus en placement, placement genre 70, ça c'est pas mal. Hein. Même pas 25% quoi, lol. En physique. Le mec il est rapide quoi, attention. Eh hey, le mec, attends, il fait 76 de vitesse. Hein. Il est meilleur en vitesse qu'en gardien, attention. Hein. Le mec il rigole pas. Donc au bout de combien tu as le beaucoup de vitesse? Ah ouais, bah à bout de 120 matchs, ça t'es supersonique. Ouais. Vas-y. Ah putain lol. J'ai fait un match en faisant 3 km les mecs. Hein, pour un gardien. J'ai pas encore fait un seul match en étant sous la neige, quoi. On est en Allemagne, attends. On est en Allemagne, y a moyen, quoi. Passe courte, ouais, bon, bah, en même temps, on fait pas beaucoup de passes. 71 quand même, hein, c'est pas mauvais. Bah si, c'est mauvais. Le meilleur gardien, il y a 96. Il y a 86, je veux dire. 96, c'est impossible. Je suis à 70 de goal, quoi. Je suis juste un gros bourrin, quoi, attends. Donc ouais, bah pour améliorer le gardien, je suis à 30%. Donc au prochain épisode, il y aura plus un en arrêt. Et on va affronter. Alors notre équipe est combien pour le moment? On est troisième. Attends mec, il y a moyen quoi. D'être champion de ligue. Ah, on a gagné deux fois. On s'est pris qu'un but, lol. Ah, il a déjà joué. Attends. Les autres équipes n'ont pas encore joué. Si on gagne là, on est premier de ligue. On est premier de la seconde ligue de Bundesliga. On joue à l'extérieur. Bon, là par contre, les t-shirts se ressemblent. Donc, non, bon. Toi, tu es au goal, je vais rien faire. Il pleut encore. Yeah, il pleut encore. Et on a combien de minutes d'épisode? On en est à 22. Bah, il fera 30 minutes, c'est pas grave. On est dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Les jeux sont chiants. Alors, si ça l'a, c'est parce que j'ai plus beaucoup de place sur le disque dur. Bonjour à tous, bonjour Franck, nous sommes ravis de vous. Il pleut, oulala. Même s'il est vrai qu'on aurait préféré des conditions climatiques un petit peu. Ça fait deux matchs que je joue sur la pluie. Eh oui, parce que la pluie vient s'inviter donc à ce match. Attends, je vais voir. Et je vais voir. Glissant, évidemment. Peut-être une occasion. Merde, ma note, elle diminue. Attends, j'ai rien encore. J'ai pas encore rien fait. Voilà, quoi. Quoi, pour poser les deux doigts dans le but. Le corner à suivre, il va y avoir danger. Bon, on va veiller, hein. Attends. Nakevin, qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose! La défense qui commence à se faire. Merde, mais qu'est-ce que vous faites? Je veux que tu joues au foot! C'est pas ce que je suis en train de faire. Non, tu branles rien, mais tu perds des points. D'accord. Bon, là, je sais pas qui. Vous êtes tous des ennemis! Oh, le gardien là qui fait qui prend des risques incroyables! Il est dingue! Comme ta maman, oulala. Aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu besoin de forcer son talon pour arrêter ce ballon. Evans. Ah méchant toi. T'es pas méchant tant. Latins. Oh putain. Attention, belle récupération, il va y avoir danger. Ah, toi, tu ne sais pas si c'est à l'utiliser, mais tu peux légèrement... Ce tu t'es planté. Wouhou! J'ai vu un mulot. C'est plus qui mieux que ça, sur le j'ai vu un mulot. Ah, il le passe. Mec. Il va devoir protéger son ballon. Ah, le tacle et le ballon qui n'est pour personne, finalement. Mec, t'as danger. La destination du gardien. C'est un danger. C'est un danger. Stop camp. Le tacle. Le tacle. Putain, ouais. Le mec, c'est un métallo. Tac. Ça s'approche. T'es hors jeu, mon gars.
Le drapeau s'est levé, il a déclenché ce qu'on appelle le bal un petit peu tôt. Le ballon. Putain, le mec s'est pris un Yolo Lafrite, quoi, là. Le mec, il s'est cru, il y a cru, quoi. Il y a cru. Il y a cru. Et il redonne. Le mec, il se prend encore en équipe. Tout ça, quoi. Là, on a le goal, on a le goal. Là. Je suis au milieu de terrain dans mon âme. Arrêtez de faire ça, ça sert à rien, vous ne mettrez jamais des buts à faire ça. Ça sert à rien. Les mecs ils font des passes en profondeur mais ils savent pas les faire. Bon. Et voilà. Alors le gardien, je vais pas le cacher, mais je dirais qu'il est très très mauvais. Hein. Pas le mien. Ah, oui, oui, oui. Allez, champion. Ah, j'ai pas besoin des organes. Ça y est. Non, moi c'est erreur. Bonjour, j'ai le ballon. Bonjour, et voilà. Ouais, c'est donc l'ouverture du score 1-0. Pourtant c'est Munich, quoi. Non, c'est... Non, attends, il y a Munich en 60 Munich, attends. Il y a le Bayern de Munich et ça c'est le 860 du Munich. Excellente interception, bien joué. Le mec c'est un gros point quoi. On peut y arriver, on peut devenir premier de la Bundesliga 2. Après la première de Bundesliga, on peut pas déconner. Il fallait sortir, c'est bien joué. Là on n'y arrivera jamais quoi. Attends, déjà c'est le Bayern Munich avec ça, avec cette équipe, je rigole quoi. Oh le plus de l'effet, il va marquer. Peut-être ouais. Le but. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas fini. Pourquoi nous on n'a jamais d'occasion? Bah pourquoi on va dire ça l'occasion? Ah, c'est chiant là. Vous êtes chou. Vous êtes des choux à la crème. Je perds des points et je comprends pas. Et là j'en gagne, allez, bonjour, je comprends pas à ma vie. Gardez-moi ça, 5,9, là ça va passer à 60, tu vas rien comprendre à ta vie. Ouais, faut que je me mette en position quand je me mette ça. Gardez-moi ça. Ah oui, bah oui. C'est quoi le bouton? Ah oui, c'est back. Non. Ça c'est star. Oh là là. Le mec, En fait, c'est moi qui joue là. En fait. Ça peut être dangereux ce centre. Ah, c'est l'adversaire qui finalement la récupération de ce centre. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, je dis. Ça, là. La passe. Stop l'attaque! Regardez-moi ça, quoi! Inspiration sur cette talonnade. Bien, quoi! Puis... Un beau duel en perspective. On peut rien faire, quoi! On s'ennuie, quoi! En 3 minutes, ce sera le temps additionnel. Je suis tué, pète-lui la jambe! Excellente intervention du défenseur, bien joué! Et il retourne pas à son goal tranquille. Evans. Remarque, c'est beaucoup mieux comme ça, hein, faut le dire. Hein. Gardien qui s'enflamme, qui a décidé de jouer les libéraux. Oh, il est fou. Dans cette première période, bien qu'on a vu 1-0 à la mi-temps. Oh, le gros fait là. Juste montré plus opportuniste dans cette première période. Oui, c'est vrai. Non, c'est le gardien qui est opportuniste. Pourtant, une équipe fait la course en tête, vous avez raison, hein, c'est le réalisme qui a fait la différence. Non, c'est le gardien qui a fait son réaliste. Regardez-moi ça, Yolo Lafrite, bonjour, je viens vous mettre un but, qu'est-ce que tu vas faire, voilà. Is. Oh, on voit même pas ma magnification ratée de la fin de la première mi-temps. Si vous savez où j'ai essayé de faire Yolo Lafrite. 7 buts marqués maintenant, toute sa carrière. C'est le meilleur joueur depuis les temps. Là. Et c'est donc parti pour la seconde gardien, période. Les gardiens, les défenseurs. Bonne récupération au milieu de terrain. Je sais pas si on fait chier.
De toute façon, c'est notre dernière saison là. On aura fait que deux. En fait, une saison dans le jeu. Hein. Deux. On n'aura fait que deux. Ce ballon commençait à trop traîner, il fallait intervenir. Il reste à peu près 8 épisodes. Le dégagement qui ne profite pas. Bah, si je mets le nid de but de la saison du match, je crois que je vais dans le même du match. Hein, je vais pas encore. Ok, elle est bien partie. J'ai pas rien s'il ne s'est pas tiré. Allez, changement dans quelques instants. On est sur la map. Sur le contrôle. Donne-moi le ballon. Je sais même pas si j'appuie sur les boutons, ça sert à quelque chose. Mec, qu'est-ce que tu fais, mec? Bah voilà. Les mecs, ils savent pas jouer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, t'as failli la voir, parce que c'est de voir le défenseur s'interposer avec brio. Non, mais regardez-moi ça, ils ont un contre favorable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des passes. Oui, vous allez me dire, pour avancer, il faut faire des passes. Oui, je suis d'accord. Mais pas comme ça, quoi. Regardez-moi ça, ils avancent quoi, toi? Putain, vous me foutez de moi, là. Vous pouvez progresser que les jeux. Les gars, fait rien. Regardez-moi ça, quoi. Ça marche. Benjamin Lotte. En plus, quand ils sont devant un mini, bah, ok, je Et on perd le ballon, et voilà, tout ça pour quoi pour... Voilà, qu'est-ce que je disais. Tout ça pour quoi? Pour un coup favorable, et après, ils reperdent le ballon, vous voyez. Ils ont reperdu le ballon, et c'est ça pendant tout un match. Putain, je crois que je vais faire que des matchs avec toute l'équipe, parce que regardez-moi ça, c'est mollasson. C'est mollasson, parce que moi, je laisse des opportunités à l'IA, et lui, au dernier, pour s'entraîner. Et là, il n'y a aucune opportunité à rien. Ouais, il le passe. Et le dernier, il est d'espace. Ma note qui diminue, c'est pas pourquoi. Hein. Encore un nouveau bug de ce jeu. Putain, ils font bien ça. Ils font rien. Aucune occasion. Oh, parfait, qui va ah non, mais vraiment, les matchs en pro, quoi. Valérie. Bah, j'en ai marre. Bataille, je vais vraiment frapper. Leur seule occasion, c'est quand je suis parti, quoi. Attends. Voilà putain, mais vraiment c'est des rats quoi. Ah, pas de souci sur cette les mecs, ça... non mais voilà ça m'a ça me fout. Une puissance absolument phénoménale. Il y a beaucoup de conviction dans la frappe, il a traversé le ballon comme on dit. L'essentiel était il a rien fait. Le mec, leur seule occasion c'est quand je suis pas au but. C'est bien joué. Ah, je suis sûr que ça vous parle hein, ces frappes de loin comme ça Franck, c'est le genre d'action que vous aimez bien. Oh, attention, mais qu'est-ce qu'il nous fait le gardien? Oh, ça va rentrer. Oh, le gardien, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Oui, il a bien senti le coup, en effet. Et le gardien qui donne un sursis à son équipe, c'était une balle de but, Hervé. Oh, what? Le fuck personne, le mec, attends, il est... J'ai... le ballon, il y a carrément l'opposé à avoir pris le ballon. Wow. Non, mais ça, c'est souvent, quoi, parce que les seuls buts que je me prends, c'est quand je suis pas dans mon surface, et parce que je me fais chier. Oh là, c'est un ultime paradoxe. En dehors de sa surface, attention, il est devenu zingue. Ça s'approche. What? Eh non, mais attendez, c'est bugué, quoi. Bon, bah, attention, le jeu, il est bugué, on a fait tout ça, ok. Il est en récupération, au milieu de terrain. Il y a même, mais. La Tins. Quoi que ce. Je vais même arrêter la saison là, je sais plus. Regardez-moi ça. Non mais moi c'est crevard quoi. Vous savez pas mettre des. Vous savez pas aller devant la ligne. Le tacle. Les mecs c'est. Oh Zeph, vous êtes gavant sur cette action. C'est sans doute pour ça qu'il rate cette occasion si importante pour son équipe. Ils se font siffler hein, sur cette passe en retrait. Oh là là, il sort mal au pied. Oh s'il la perd, son entraîneur va lui reprocher. Oh, il fait... Ouais, elle est bien partie cette voilà. Fois. Voilà. Maintenant, vous fermez tous vos bouches. C'est important. À quelques minutes de la fin du match, ils prennent l'avantage. Bon, le match, je me prends que des... Je gagne un match, on me prend que des... Marquant qu'avec Martellin, c'est faux. Par contre, bonjour.
il a fait mal, il fait très mal. Et c'est vrai qu'en marquant là, il vient peut-être de réaliser. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Putain, j'ai que 5,9 de notes alors chez moi qui ai marqué les buts, quoi. LOL. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est bugué. Ah, t'as pas intérêt de marquer, vas-y, voilà. Sur ce corner, c'est fini, ils le savent bien. Les tirs pour chacune des deux équipes sur votre fini écran. Dans tous les cas, ouais. Deux secondes, vas-y. Fini. On voudrait pas qu'au prochain épisode, je fasse que des épisodes avec l'équipe. Ça n'a pas été le cas. En effet, on a vu de belles choses. Il y a eu de l'engagement et de très beaux enchaînements. C'est moi qui ai mis que des buts. Ravi d'avoir vécu ce match. Eh mec, c'est pas parce qu'il a fait une passe décisive que forcément c'est. Non, même pas en plus. Le mec, attends, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une bonne note? Ouais, une passe décisive. Lol. Je vous ai dit ça, là, on est mort. Là. Bon, pour le moment, c'est mal parti pour être le meilleur gardien de. Le meilleur gardien du. Du championnat. À partir de maintenant, on arrête de jouer le con. On reste au but, on prend toute l'équipe et au revoir. Voilà. Au moins, ça va être simple comme bonjour. Ça va être simple comme bonjour. Comme ça, je vais arrêter de. Ma carrière, hein, en parlant de ma carrière, je gagne 20 000 euros par mois. Je gagne. Ma valeur, elle n'obtient même pas 675 euros. Bon, bah, c'est mort. Hein. Non, c'est ma. Ouais, regardez-moi ça. J'ai joué dans trois équipes. Ouais. Homme du Manu ce fois, 4 matchs. Ouais. Enfin, bref, bon, c'était l'épisode 12 de Inazuma Eleven IRL. La première saison des Mark Evans. Elle est pas fameuse. Hein, on se fait à moitié d'un épisode chier, quoi. Il se passe rien pour le gardien. Donc vivement la saison 2 avec je ne sais pas qui encore, je sais qui c'est, mais je ne vous le dirai pas. Bon, bah je vais conclure cette vision de vous donner santé, super canard. À vous les studios.